Depuis fort longtemps, je ne savais pas comment trouver cette carte biométrie-là. Donc quand j'ai vu premièrement cette carte-là, j'étais heureuse. Et c'est offert gratuitement au bénéfice des femmes. Celui qui a donné à la femme a directement donné à son époux. Donc je suis bénéficiaire direct de cette pièce-là. Nous avons constaté tout au début que les femmes n'étaient pas très présentes dans la filière ananas et riz, surtout en ce qui concerne la production. Donc nous avons voulu faire quelque chose de très spécifique pour les femmes. Donc on les a quand même offert des formations. Et lors des formations, qui sont donc des formations sur leur avenir, les livres de caisse, le leadership féminin et tout ça, nous avons constaté que tout de suite, après ces outils, elle était confrontée à des obstacles. C'est-à-dire que si, par exemple, elle veut vendre ses ananas un peu ailleurs, elle ne peut pas voyager aisément parce qu'elle n'a pas de carte. Si elle a voulu prendre un crédit, elle n'a pas accès au crédit très facile parce qu'elle n'a pas de carte d'identité. Donc c'était surtout pour remédier à ces petits obstacles. On a dit que ok, si c'est ça, on va donner une carte d'identité aux femmes. Ça lui permet aussi de vendre ses ananas et utiliser les choses comme mobile money par exemple. Et l'originalité de DEFIA était aussi d'impliquer dès le début les hommes dans toutes ces négociations, parce que les femmes ont souvent dit que la chose qui lui rend plus aisée pour arriver à travailler, si son mari lui soutient. Donc, si elle n'a pas de soutien de son mari, c'est plus compliqué. Donc, on a dit qu'on va impliquer dès le début son mari dans toutes les négociations, discussions, pour qu'elle ait vraiment ce soutien-là et qu'il n'y a plus de problème après. Le premier acte majeur qui consacre la vie juridique d'un enfant, c'est l'acte de naissance. Vous avez ici bien le faire en permettant à travers votre coopération de pouvoir doter ces nombreuses femmes aujourd'hui de ce document essentiel pour tous les actes civils. Vous êtes en train de rendre un heureux service à ces nombreuses femmes qui sont ici devant vous en leur permettant de pouvoir disposer non seulement de la preuve du numéro personnel d'identification qui est le certificat du numéro personnel d'identification, mais également de la carte nationale d'identité biométrique qui leur permettra de circuler librement dans l'espace, dans tout l'espace UDAO et dans tout l'espace UEMOA. Mesdames et messieurs les élus communaux et locaux de la commune de Toffo, distingués invités, braves femmes productrices d'ananas et de riz, mesdames et messieurs, l'état civil est la situation d'une personne telle qu'elle résulte des éléments pris en considération par le droit en vue de lui accorder des prérogatives juridiques. Tout être humain, dès sa conception, possède des droits inaliénables, mais dont la justice implique qu'il puisse disposer des actes d'état civil. Aussi est-il inacceptable dans le monde d'aujourd'hui que certaines couches de la population, pourtant laborieuses, n'arrivent pas à jouir des dits droits du fait qu'elles ne disposent pas de la carte nationale d'identité. Cet événement coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme, dont le thème cette année, égalité aujourd'hui pour un développement durable. D'abord, elle met le projecteur sur l'entrepreneuriat féminin et le leadership de la femme rurale en général. Je voudrais donc remercier les initiateurs de la présente activité, notamment Enaben et son bras opérationnel DEFIA, qui ont très tôt compris l'importance de la pièce dans la vie d'un être humain.
to merci nu me wa file bi bo do merci nu nyonu gbeta de no gudo ha mi desbo mi bro formation on kaka bon komi ton a tombo mi wa ro fi egbe bro ko edu eo e vi nu mi town La suite, c'est qu'on va essayer, donc d'abord on a mis en place une subvention, donc une subvention pour les femmes qui ont de la terre, une subvention dans le dessoussage. On va mettre à disposition des rejets de qualité d'ananas pour qu'elle ait une bonne production. Et on va subventionner la main d'œuvre aussi, parce qu'il faut savoir, la main d'œuvre pour la femme, c'est très difficile à en avoir. Donc la suite maintenant, c'est qu'on va les mettre en relation avec les instituts de microfinance aussi, pour qu'elles puissent avoir des crédits, et avec les marchés potentiels, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la suite de cette activité.